Coucou, bon. Ben aujourd'hui j'ai 54 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Vous auriez pu me faire une surprise quand même ce matin, quand même un petit peu, quand même, non? Je sais pas, me ramener le petit déjeuner au lit, me chanter une chanson. Donc ça fait hier soir. Ah mais c'est ce matin, ça aurait été bien aussi. Qu'est-ce qu'on dit? Bon anniversaire. Ben, on chante. Bon, mais là, du coup, on va faire une petite après-midi avec mes soeurs et mon père, cette fois-ci, pas ma mère. Donc, du coup, on va fêter la fête des pères, parce qu'on n'avait pas fêté la fête des pères la dernière fois, mais évidemment, j'ai ramené quelques petits gâteaux. Hein. J'ai acheté quelques petits gâteaux parce que je n'avais pas le temps de le faire. J'ai pris ce qui restait dans le magasin parce qu'il n'y avait plus grand-chose. Et puis, ma soeur, elle a fait une tarte, donc ça va. Et puis voilà, je filmerai tout ça. Si c'est intéressant, parce que c'est pas trop intéressant. Bon, allez, à plus tard. Bon, du coup, on est arrivé, on est en train de faire le cadeau du papa. On lui a fait plein de petites photos. On s'est un petit peu disputé parce que Marilyn s'est trompée dans la disposition des photos. C'est ma faute. Il y a que celui-là, c'est pas grave. Elle est blonde, hein? Ah non, merde, c'était en brune, mais elle est blonde, hein, normalement. Là aussi c'est pas grave. Donc là on a fait un joli petit cadre avec nos photos. Bon du coup on a mis des photos un peu en biais, c'est pas grave, ils se tourneront la tête pour regarder. Attendez, on va vous montrer. C'est bon. Moi Donia Culine, bon. C'était pas. Moi Donia Culine, si vous regardez cette vidéo, vous êtes des Mongols, pour moi aussi vous êtes trompés. Ouais c'est beau. Ouais c'est trop beau même les coups. Regardez, je suis à l'envers. Et celle-là aussi. On est à l'envers. Bon écoute, ça va, c'est bon. Bon, il n'y en a que deux. Ouais, il y en a que deux. J'ai oublié le bas. Ah celui-là. Oh Jessica, sans déconner. Parce que ouais. Celle que j'ai avec toi. Tu vois, tu penses tout ici, tu penses. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas pensé. Il y en a pas assez, je crois, si. Là-bas aussi, là-bas, il tourne avec Clément. Et moi, il ne rentrait pas dans le cadre quand je l'ai à Clément. Elle est belle, celle-là aussi. Ouais. C'est du pompier. Papa, il a voulu celle-là. Celle-là. Ouais. Par contre, on aurait pu la monter un poilus. Bon. Voilà. Jolie petite photo. C'est une télé. Oui, c'est une télé. Une télé. Une télé. Oui, c'est un truc de cul, ça, non? Ouais. Ouais, mamie. Alors, ça, c'est génial. C'est une bonne idée. Ouais. Ah, je sais qu'est-ce que c'est. Il était jaloux de maman. Ouais. Comme ça, je vais aller. Donc, du coup, maintenant, il va falloir me passer des photos de vous. J'en ai pas adoré ça. Vas-y, sont. On a tout fait. Ah, vous avez tout fait? Oui. On veut voir le cadre, Francis. Hein. Attends. Il découvre. Je découvre. Wow. Incroyable. Incroyable. Je vois pas. Ah, c'est bon, normal. Non, on n'a pas vu encore. T'es content, moi? Ah oui. Bon. Mais t'avais pas de photo de nous, alors on a fait un cadre. Alors là, on va le mettre au milieu de la salle à manger, là, comme ça, ou au salon, il sera joli, ça. Qu'est-ce que c'est? Bon, du coup, tout le monde va qu'à ses occupations. Et on vient juste de faire les photos de famille parce qu'on n'a jamais fait de photos de famille. Donc, du coup, on a fait des photos de famille. C'est pas ignorante, hein? Je suppose que c'est les questions. Eh oui, toi. C'est quoi ça, ratafia? Regardez-le, il est en train de mouiller tout le monde. Mais quand il n'arrive pas à la rattraper, il essaye. Il mouille tout le monde. Ah, il a arrêté. Il est costaud, oui. Votre fils il a oublié la bouteille de vin au congélateur. Mais bon, pas de vin du coup. Je fais quoi? Oh mamie. Mamie elle est là. On s'en va de Marseille quand tu rentres ce soir. Oh dégueulasse elle. Petit pique-nique. On attend le gâteau, hein. Eh, mamie, elle se sert loin, bien à côté.
Elle était là tranquille, sa mamie était pas dans le verre. Là. Si, Mathilde, là oui. T'as bien mangé, mamie? Ah oui. Bon. C'est très bien mangé. On est bien là? On a un peu du ventre bien tendu. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai un peu du ventre bien tendu. Merci, petit Jésus. Je connaissais pas la fin, moi. On le sentait quand on était petit. Depuis que je suis née, je ne fais que manger. Moi aussi, hein. Mon Dieu. Et je prends le gros bide. Allez. T'en aller tout simplement. Nous, on connaît que nique. Dans les champs. Je mène un peu. Ah bah. Le parc de bon Dieu. Le parc du bon Dieu. Nique. Ça quoi? Il y a personne. Il y a combien de kilomètres? Ah ouais. Pas beaucoup, hein? Tu sais, tu es oui. Oui, elle est allée, mais pas souvent, quoi. On y a dû aller 4 ou 5 fois, à peine. Pour ma mère. On est jamais avec ton père. À Narbonne, c'est pas loin, on a mis des tout ses dents. Les bougies magiques, c'est à dire jamais. Elle ne sait pas ses dents. Elle ne sait pas, il n'y a pas de bougies. Elle là-bas, c'est pas cher. Elle faire. Elle a un trou, elle a pas toutes ses dents. Ouais, il manque les dents encore. On a fait d'avoir le. Après, il n'y a pas que l'hôtel, ils n'ont pas trouvé aller ici, pour le week-end. Si, après, tu trouves une maison. Ça va, mamie? Il est bon le cookie? Ah oui. Pour le week-end, pour la semaine. Il est très très bon. Elle a réussi. On fait le gâteau qui arrive. Il est où le Je ne sais pas. Je me suis cramé le doigt. Vous auriez dû couper le couvercle. Je peux le faire, s'il te plaît. Jennifer. Et pourquoi ça ne fait pas? Allez. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Jessica. Attends, on voit bien. Ouais. 38 ans et toutes ses dents. Ah oui, regarde, là il m'a manqué une. Allez, souffle. Chahine, tu m'as pris ma place. Mais ça s'en remet. Elle se rallume. Arrêtez, je vais cracher dedans avant. Ah non, le corona. Attendez, j'ai un cadeau. Parce qu'il m'avait donné un truc, mais le loup il a déchiré. Putain, qu'est-ce que j'ai mal. Soyez pas jaloux. Cramé avec le briquet. C'est bon, on m'a dit. Ah, ça pique, hein. Merci. C'est quoi? Coquillage. Là, t'as ramassé coquillage à la plage. Il y a marqué la plombe. Viens, elle est énorme. Attendez, j'ai peur de perdre ce qu'il y a à l'intérieur. Des boucles d'oreilles. Oh, c'est trop joli. Ah, c'est trop joli, regarde. Ouais. Merci. Marilyne. C'est quoi, un pandan? Il est où? Merci. Attends, allez, le deuxième. Il est où? Il est allé sur la couette depuis tout à l'heure. Ah, cadeau! J'ai plein de cadeaux. Ouais, pas le mien. Qu'est-ce que c'est l'autre? Regarde, bracelet. Oh, c'est joli. C'est la bonne fois, là. Ouais. Qui c'est la chaîne? C'est Clément. Oh là! Waouh! Cancer! Ah, il est beau aussi. Ça, c'est un bracelet aussi? Normalement, celui-là, tu peux le mettre à la cheville. Celui-là? Il tourne pas? Normalement.
Ah ouais, trop bien. Merci. Quelqu'un peut couper le gâteau? C'est Isa. C'est le couteau. C'est mignonne, merci. Voilà. C'est ton fils, ça. Encore? Ouais, parce que j'ai pas reçu ton cadeau. Ouais. Ah, tu m'en as acheté un autre du coup, j'en ai deux. Oui, je l'ai pas reçu. Ouais. Attendez, j'en ai eu un aussi tout à l'heure, un autre cadeau. Hein. Ah oui, qui? J'ai eu l'alliance de mon père que j'aurais dû avoir à sa mort. Je croyais qu'il allait nous annoncer quelque chose, mais non, c'était parce que... T'as qu'elle a sa mort, qu'elle dit. T'as qu'elle est... De quoi? Mais il ne parle pas. Vas-y, voilà, la bouteille, il y a rien. Et si la bouteille, il n'y a rien. Papa? Non, j'aimerais bien manger, moi. Non. J'en étais sûre. J'en étais sûre. En fait, t'as les deux, toi. Oui. J'en étais sûre. La dernière fois, on est allé, je la regardais. Et j'ai pensé qu'à ça hier. Qu'est-ce que c'est parce que maman, non, c'est une huile pour le merci. Maquillage. Moi. Jessica devant maman et papa est croquée de la donation. Parce que ta maman, toi. Je peux lui donner si tu veux. Elle est égale, moi. C'est tout, papa, tu dois un cadeau, Jessica. Oui, je peux lui donner. J'ai celle de maman. Tiens, regarde. C'est ce que j'avais dit là-bas. Alliage. Parce qu'elle me va grande. Bon, du coup, on échange de cadeaux. Voulez-vous m'épouser dans le meilleur et dans le pire? Je sais pas si. Je suis pas mal. Oh là, elle rentre en plus. Oh là, ouais. Moi, je sais la maman là. Ah non, je. Elle va faire caca, Cindy, on la suit. Ah non, moi je vais faire caca, moi je vais. Non, Cindy, elle va faire caca. On y va avant toi. Je vais faire pipi, quelques kilos. Ah ben, là, tu parles, elle va lâcher une crotte. C'est oui, là, les oui, c'est là, les WC. Non, j'aurais pris le rouleau de papier, sinon j'aurais pas pris ça. Ah oui, c'est vrai que toi, il te faut un rouleau entier. Ah oui, c'est vrai, ça, en plus. Elle est comme moi. Quand t'as entendu la merde, faut le signer. Oh, elle est à vendre la voiture. Marche arrière. Marche arrière, hein. Elle est contente, elle est contente. Elle n'arrivera pas. Elle arrivera pas. Allez, vas-y, passe. Je la ramène en marche arrière. Là. Passe. Allez, garde-toi. Tu viens, mais en marche arrière. Voiture ouais. À vendre si vous êtes intéressé. Non, hein. Tu arrives, là, comme un créneau. Non, il n'y arrivera pas. Voiture à vendre, comme 6. Tu avales, tu recules. 360 chevaux. Tu mets de l'autre sens. Elle va se garer en marche avant. Hein? Elle n'arrivera pas. C'est une 5 ça ou c'est une 6? Allez, non, c'est la 6 ça. Ah, c'est la 5, pardon. Voilà, tu vois, t'as un écart. Ouais. Tu vas là-bas, après tu reviens comme si tu le reviens devant, mais tu reviens en marche arrière. Inaya, elle n'est pas sereine, elle s'est assise et tout. Ah ouais. Tu reviens en marche arrière. Marche arrière, braque, 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 braque. Braque. À la place, à la place. Braque. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, encore un peu, on te dira stop. Ah, c'est ça! Ah, encore un peu, c'est ça qu'elle va pas y arriver, bande de mongols! La fois je t'ai fait un créneau, ma mère m'a dit t'aurais passé le permis, tu l'aurais eu de suite. Je me suis garé du feu de Dieu, je sais pas comment. Attends, t'as braqué trop tôt là, t'as braqué trop. Ouais, mais vas-y. Elle va coller l'autre voiture, non? Ouais, ouais, vas-y. Remets-toi à droite, remets, redresse. Nickel, nickel. C'est bon, vas-y. Wow, applaudissez-la. Allez, dresse, l'autre sens, l'autre sens. C'est bon. Allez, maintenant ils vont jouer aux boules. Je vous ai gêné! Attends, attends, que rien arrive. Attends, tiens, mets-toi, tu vois. Et hop là!
Qui joue au boulot, moi je mets mon pied tout cagueux sur la vitre à Tyssen. Qui c'est qui va faire les carreaux après? Ils sont contents, ils jouent au boulot. Regardez-moi les. La famille touche, hein. Ils jouent au boulot et ils ont les boules en feu. Alors ça, ça va être dit, répéter ça. Bon, ça va pas être de l'amour la fin de la vidéo, mais... Oh putain. Je suis rentrée, là, ça y est, on est rentrée. Et en fait, il se passe que je suis pliée en deux dans mon lit. Alors, je sais pas... En fait, moi, quand j'étais plus jeune, je me suis fait opérer des ovaires. J'avais un gros kyste aux ovaires et j'ai mes ovaires qui fonctionnent pas bien. Voilà, ça a toujours été comme ça. J'ai des ovaires... je sais plus, on appelle ça kystite. Je sais plus. En fait, j'ai des ovaires à kyste. Et j'ai une ovulation hyper, hyper, hyper forte. C'est-à-dire que tous les 14 jours de mon cycle, j'ai une ovulation qui me fait souffrir de malade. C'est-à-dire que pendant une demi-heure, je suis bloquée des ovaires. J'ai les ovaires bloqués, ça me tord en deux. Comme si j'allais accoucher. Vous savez quand... enfin, vous ne savez pas tous, mais... moi, je sais que quand j'ai accouché, avant d'avoir la péridurale, on sent le bébé passer. On sent qu'il y a tout qui s'écarte sur le chemin. On sent que ça nous transperce les entrailles. Et bien là, ça me fait ça. Bon, pas en aussi fort, évidemment. Mais je peux vous dire que je douille. Là, regardez, là, j'arrête pas de bouger les jambes et tout. Je douille. Donc là, je suis couchée sur mon lit. D'ailleurs, j'ai la veine qui sort tellement que je souffre. Je sais même pas comment tenir mon portable. Attendez. Et du coup, je m'étais faite opérer des ovaires. J'avais un gros kyste sur l'ovaire de la taille de 9. Et j'avais une sacrée opération. Et en fait, tous les mois, ça me fait ça. Un jour, tellement que j'ai eu une ovulation forte, ça m'a duré 4 jours. J'étais bloquée, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus me baisser ni rien. Et en fait, j'avais saigné. J'avais les ovaires qui avaient saigné tellement que l'ovulation était forte. Donc voilà, là, je finis la journée comme ça, couchée. Je vais aller me démaquiller. J'attends que ça passe, là. En fait, il faut que je sois allongée, que j'attende que ça passe. Mais et on ne peut rien faire. Quand je demande de ce qu'on peut faire au gynéco ou quoi, on peut rien faire. Donc voilà, ça me fait la tête ronde de tout ça. Et du coup voilà, je vais finir la journée comme ça. J'ai passé une superbe journée, regardez mes bracelets, celui-là, celui-là. Trop beau, je suis trop contente. Et puis voilà, voilà, moi j'ai passé une super journée, j'étais hyper contente, c'est bien tombé. À la base c'était pour la fête des pères ce qu'on a fait, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire la dernière fois. Et finalement, j'en ai profité pour faire mon gâteau, puisque c'était le même jour. Et en plus, il y avait ma grand-mère, donc j'étais hyper contente. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Ben, je ne l'ai pas vue depuis... bien avant le Covid, j'avais été la voir. Et ben, je suis trop contente. Et du coup... je suis en train de lire ce qui a marqué sur la dépêche. J'ai une notification, je suis en train de lire. Et voilà. Et du coup, voilà. Mais je suis trop contente. J'ai passé une bonne journée. Je remercie tout le monde. Et puis voilà. Voilà, bon, on va se laisser là parce que là, j'en peux plus. J'allais me démaquiller, je vais juste me démaquiller de toute façon. Et puis, je vais aller me coucher, donc ça sert à rien de faire traîner le vlog pour plus longtemps. Dites-moi en commentaire si ça vous est arrivé des ovulations hyper fortes et s'il y a des traitements pour ça ou si on vous donne des médicaments pour ça, sachant que ça dure quoi? Une demi-heure. Sauf la fois où ça a duré vraiment très longtemps, ça a duré 3-4 jours jusqu'à ce que j'aille aux urgences parce que je pouvais plus. Et dites-moi si vous avez des remèdes contre ça. Bon, à part la bouillotte chaude et tout ça. Parce que, bah, évidemment, j'ai pas eu le temps de me faire chauffer une bouillotte. Hein. Et ça arrive d'un coup. Hein. Ça arrive d'un coup. J'étais en train de ranger l'extérieur du jardin. Ça m'est arrivé d'un coup. J'ai tout laissé en plan. Il va faire nuit. J'ai même pas terminé. Donc là, je vais attendre que ça passe. Et je vais retourner finir ce que je faisais. Voilà. Bon, mais je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.